Et bien bonjour à tous les amis, c'est Moustache et aujourd'hui on se retrouve dans du Ninja Legends et j'en profite pour faire un bisou à tous les abonnés qui sont avec moi, à côté de moi. Vous êtes trop adorables, vous êtes trop mignons, merci à vous et merci encore une fois pour les pets à chaque fois que vous me donnez dans ce jeu parce qu'ils sont vraiment pétés. Donc vraiment merci un milliard de fois parce que vous êtes trop mignons, vous êtes les plus mignons et je le répète et c'est vrai, merci beaucoup, vous êtes tellement adorables avec vos petits mots, enfin bref. Du coup voilà, j'avais envie de faire une vidéo parce qu'en fait, fallait que je découvre une île avec vous. C'est l'intro la plus pourrie au monde. Non mais plus sérieusement, en fait il y a une nouvelle île. Mais en fait il y en a une, mais je suis pas sûre de l'avoir découvert. Attends, c'est celle-ci. Mais il me semble que je l'ai découverte, mais je suis pas sûre. En fait j'ai pas, enfin ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Ninja Legends, bah que je sais plus. Du coup bah c'est pas grave. Écoutez, tant qu'à faire, on va découvrir l'autre île ensemble. Enfin découvrir, ça se trouve j'ai déjà découvert. Hein. Je peux même pas dire découvrir. Si j'ai un doute logiquement, c'est que j'ai peut-être découvert. Donc enfin je pense. Ah non, j'aime pas grimper à la nuit. Ah ça va, les nuages sont verts, ça va. Mais du coup voilà, j'ai grimpé toutes les îles pour pouvoir justement découvrir la dernière avec vous, ok. Alors attends, est-ce que je peux pas m'acheter un seau parce que du coup, bah là, je vais galérer. Ou alors c'est parce que je suis allée trop vite, ça se peut aussi. Parce que je crois que j'ai tout acheté. Ouais, j'ai tout acheté. Bon bah, je peux faire bien plus que ça. Du coup, on va partir du haut de l'arbre. Je suis sur l'arbre ou pas? Ouais, nickel, ok. Et c'est parti. Allez, c'est possible. Alors de ce que j'ai compris, la dernière île à découvrir, c'est assez chaud parce que le créateur du jeu, il a dit seulement les plus forts pourront y arriver. À mon avis, il a fait quelque chose qui va bien faire rager. Yip là. Oh la vache. Ah c'était juste hein. C'était juste. Du coup, hop, on va aller ici, parfait. Allez Moustache, tu peux le faire. Allez, on fait du un one shot. Allez, on y croit. On y croit, je vais pas tomber. Jusqu'à présent, quand même, je les ai fait en one shot. À chaque fois, j'ai découvert. Donc, j'espère que là aussi. Et que c'est pas juste parce que je fais la vidéo que je vais me foirer comme une noob. Parce que sinon, je vais vraiment, vraiment rager, quoi. J'ai pas envie de recommencer. Hop. Là, on grimpe. Il me semble, hein, je suis quasi sûre que la dernière fois que j'ai fait la vidéo sur Ninja Legends, que j'avais découvert cette île. Parce que ça me dit quelque chose. Oh. Ça me dit quelque chose. Hop là. C'est affreux comment des fois les nuages ils explosent super vite et des fois c'est des vraies tortues. T'as le temps de te poser, de manger un sandwich. Allez. Ah tiens, il y a un nuage ici. Hop. Nickel, parfait. Allez, on y go. On s'arrête pas. On y va d'une traite. J'ai envie de découvrir moi la dernière île qui a eu avec la mise à jour. Je suis rendue ici et je pense que je devrais aller là et après ça devrait être bon, non? Ah non. Ah la loose. Bah attends, je vais retourner sur la plateforme. Non, tu vas sur la plateforme, tu vas pas à côté. Du coup, je vais retourner sur la plateforme, je vais attendre qu'il réapparaisse. Bah nickel, il est réapparu. Parfait. Hop. Et là, logiquement, j'ai une plateforme pas très loin, non? Est-ce que je peux l'atteindre ou pas? Oh là là, à mon avis, si je l'atteins, c'est de justesse. Oh la vache, il me restait un petit saut. Un tout petit rikiki saut. Oh la vache. Ouais, donc j'ai découvert la dernière fois. C'est bon, je me souviens de comment qu'elle est. Je me souviens. On va quand même s'acheter. Bah non, là, il n'y a plus rien à acheter. Il n'y a plus rien à acheter, donc c'est pas la peine. Et du coup, bah, on va en direction de la dernière île à découvrir. J'espère que ça va aller. On va partir de l'arbre parce que je sens que ça va être ultra haut. C'est parti. Ah non, il y a un nuage juste là. Oh, ça va. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il aurait prévu? Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel. Ah, à mon avis, s'il a dit ça, c'est parce qu'il y a juste moins de nuages. C'est plus espacé. Enfin, je pense. Hein. Enfin, ça a l'air, en tout cas. Ça a l'air. Faut juste pas se foirer, quoi. Faut pas se foirer du tout. Hop là, nickel, là on arrive sur ce nuage. Mais du coup j'ai l'impression qu'elle est plus proche aussi par rapport aux autres îles. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moins de choses à grimper. Hop. Bon, je pense que là on est vraiment pas très loin et que c'est possible que je vais faire d'une traite. Allez. On y croit. Allez, on peut le faire. Ça va, en plus là il y a juste une plateforme donc ça va. Ça passe. Et du coup, bah, l'île, elle est juste là. C'est trop cool. J'adore, franchement. J'adore. Je les trouve trop stylés puisque j'adore surtout, c'est les couleurs. Donc,
Moi là, ça, à ce niveau-là, je suis super fan. Est-ce que du coup, on peut s'acheter quelque chose ou c'est vraiment la fin? Attends, on va voir. Ouais, c'est vraiment la fin. On peut pas s'acheter quoi que ce soit d'autre. Par contre, ici, quand tu vends, c'est x10, donc c'est quand même assez pété. J'ai envie de dire, franchement, ça passe, hein. Là, ça va rapporter plein de pépettes. Je sais pas si je fais des rebirths tout de suite, parce que du coup, je me dis, s'il y a une prochaine île à découvrir, j'ai pas envie de tout regrimper. C'est ça, en fait, qui m'embête le plus, c'est surtout de tout regrimper. Mais d'un côté, j'ai tellement des rebirths en retard que je sais pas, en fait. Je sais pas, je suis un petit peu entre deux. Mais on va voir en attendant nos espèces de samouraï, je sais pas quoi, là, qui sont supposés travailler pour nous rapporter des ninjutsu. On va aller les voir. Du coup, c'est le dojo... Hop, on va ici, parfait. Et du coup, c'est là-bas, je crois, pour récupérer capacité du dojo niveau 1. Et du coup, là, j'ai un QA à récupérer. C'est beaucoup ou pas? Parce que moi, je fais combien? Ah non, moi, je fais du TRE. Ah ouais, c'est que dalle. Et si je... augmenter la capacité de ninjutsu. J'ai 223 QA. Et pourquoi, là, ça me met pris 0? Pourquoi? Je peux pas. C'est bizarre. Pourquoi ça veut pas? Augmenter la capacité de ninjutsu. Les formateurs gagnent ninjutsu même hors ligne. Bon, franchement, je comprends pas, là. On va aller voir, lui, si je peux l'upgrader ou pas. Ah, attends, il faut que je me mette en autoclic, non? Il me semble que c'est avec ce que j'ai dans mon inventaire, je crois, que je peux upgrader. Attends, on va voir. Ouais, non, là, j'ai pas DSP, donc non, c'est pas possible. Bon, en tout cas, j'ai vu que j'avais acheté des boss hits, enfin plus, je sais pas du coup combien de coups je fais pour les boss. Et du coup, j'aimerais bien tester pour voir, parce que jusqu'à présent, j'étais à 1 par 1. Et là, je suis à 5 par 5, ça va. C'est pas mal quand même, là, je trouve. Parce que je pense qu'en fait, j'ai vraiment pas assez de... comment ça s'appelle du coup, je sais plus... Enfin, moi j'appelle ça yin et yang, mais du coup je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, dans tous les cas, j'en ai pas assez. Je pense qu'il faut vraiment que j'en farme pour pouvoir justement upgrader mes... ceux qui s'entraînent pendant que je suis hors ligne. J'aimerais vraiment de les upgrader. Je pense que ce serait vraiment utile. Alors après, la question que je me pose, c'est est-ce que quand tu rebirths... Alors ok, faut avoir comment dire, si tu rebirths au total, hein, je parle pas juste des classes que t'achètes comme ça, si tu rebirths au total... Est-ce que du coup ils repartent à zéro ou est-ce que la progression elle reste mais c'est juste qu'il faut que t'aies le rang je sais plus trop quoi pour y accéder à cette zone. C'est ça que je me pose comme question parce que si au final le rang il reste là c'est plus avantageux mais si ça reste pas je trouve que c'est pas très très avantageux au final. Mais bon après c'est mon avis mais je pense que ça peut être méga giga pratique comme pas du tout en fait donc... je sais pas parce que je pense que là il va falloir aussi que je m'y mette à faire un rebirth complet. Comme ça, moi, j'aurai de meilleures stats et ce sera beaucoup plus mieux. Bon, il lui reste vraiment que dalle en vie. Et franchement, je vais me faire pas mal de chi. Ah, voilà, ça s'appelle les chi, voilà. Je pense que ça m'est revenu là, maintenant, tout de suite. C'est revenu tout seul, alors que tout à l'heure, je cherche. Et du coup, ouais, je vais voir si je peux pas upgrader vers mon dojo. Allez, passe-moi les récompenses, voilà, nickel. Par contre, niveau pièces, ça rapporte que dalle. Hein. Là, pour le coup, c'est que pouic. Hein. Du coup, hop, on reva vers le dojo qui est là-bas. Et du coup, je crois que c'est là, hein, pour Hôtel des éléments, je crois, pour Rebirth au complet, il me semble. Alors, du coup, on va déjà ici, puis on va voir après, là, l'autre côté. Et donc, du coup, là, si je fais acheter... Ouais, non, c'est pas possible. Et si je vais dans capacité du dojo au niveau des niveaux... Ah, voilà, c'est parce que tout à l'heure, c'était marqué 0, mais ok, c'est 1 SP. Ok. Mais en plus, il one-shot le truc, en vrai. Ah ouais, quand même. Ouais, faut vraiment que je farme les chiens, en fait. Et on va voir de l'autre côté si c'est bel et bien ça pour rebirth au total. Donc, on y go. Et... maîtriser chaque élément pour des avantages. Et du coup, ouais, c'est là. C'est là qu'il faut... Ok, bon, moi, j'ai tout verrouillé. Par contre, je crois que c'est... Ah non, ils sont tous verrouillés. Attends, ça dit quoi? Si je vais vers eux, ça dit quoi? Parce que du coup, je sais plus du tout. Ça dit... rang requis. Golden Sun Shuriken Legend. Les avantages du gel. Tous les animaux hachés commencent à immortal évolution. Putain, c'est quand même énorme. 25% de clonage moins cher et x5 global multiplayer. Ça va, c'est pas dégueulasse. Et réinitialise le rang à rookie.
Ok. Alors attends, on va voir les autres trucs. T'as élément inferno. On va voir ça. Hop. Et du coup, plus un espace de compagnon, ça on s'en fout. Plus 25% des coffres plus rapides. Ah, ça peut être cool. x5 global multiplayer et 10% rend moins cher. Ah ouais, ça c'est méga giga cool ça. Parce que si c'est 10% rend moins cher, s'il parle des rebirths, franchement c'est cool. Là pour le coup, ce serait beaucoup plus avantageux. Et on va voir du coup le Element Lightning pour voir. De toute façon, faut comparer hein, dans tous les cas. Hop, et du coup là on a x2 All Rank Multiplayer. D'accord, ok, donc ça nous fait du x2 à chaque fois. 10% épée moins cher et x10 Global Multiplayer. Oh. Ah, franchement, je sais pas. Franchement, moi je serais partante pour du Inferno, mais après j'en sais rien du tout. C'est quoi là-bas qu'il y a? Je rêve pas, il y a une épée. Attends, on va aller voir ça. Est-ce qu'on peut vraiment y aller ou pas? Mais ça m'intrigue. Bon, je me suis fait tuer entre-temps, mais c'est pas grave. En fait, j'ai vu que c'était une zone pour s'entraîner. Donc au final, sans plus. Hein, je pense, m'attendais à un autre truc. Mais bon, au final, c'est quand même cool d'avoir une zone pour s'entraîner là-bas, quoi. Bon, et eh bien écoutez, les amis, on va s'arrêter là sur cet épisode de Ninja Legends. Je vais vous laisser me dire dans les commentaires ce que vous pensez être le plus avantageux au niveau comment dire, des espèces de maîtres zen, là, si je peux appeler ça comme ça. Parce qu'honnêtement, je sais pas trop lequel choisir. J'opterais plus pour l'Element, mais j'en suis pas sûre. Donc, je vais suivre vos conseils parce que vous êtes toujours de bons conseils. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!